Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y'a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel, sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches, fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabissa c'est halal, avec Kabissa profite on vit de la vie. Kabissa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabissa et Kabissa, boisson énergisante. Kabissa et Kabissa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabissa et Kabissa, Kabissa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabissa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabissa, Kabissa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabissa vous offre le Mac 12. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Je perds même mon latin, c'est fou. C'est bien, ça fait un bien fou de se retrouver en famille en tout cas. Salut à gauche, salut à droite, vous allez bien? Ouais, ça va, ça va, ça va. J'ai peur, en tout cas, j'aurais bien voulu citer tous les noms de tous les visages ici, mais j'ai peur de sauter, d'oublier d'autres ou d'écorcher le nom de certains. Mais en tout cas, je fais un gros coucou d'abord à Diane qui est représentante de CNASA, partenaire officiel maintenant. Allez, coucou Toxa, salut à toi Pisman, salut à la Jikiyashi, Maestro le faisait des stars, Nova, Zara, salut tout le monde, se voit bien, j'espère. Ça va? Ça va, merci. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, sachez que l'art et la culture sont encore à l'honneur au Mac 12. Les dessous de l'événementiel. On en parlera aujourd'hui car c'est le sujet qui est sous la table. Oui, l'événementiel est sous les projecteurs du Mac 12 aujourd'hui. Et on en parlera avec des personnes ressources que nous retrouverons en deuxième partie de cette émission. Tandis que Mathilde, vous avez constaté que je suis seule à vous présenter la première partie de l'émission. Oui, Do et Jacken, nous retrouverons pour cette deuxième partie pour mieux décortiquer le sujet du jour qui est les dessous de l'événementiel. Ah, c'est un sujet un peu cliché, mais bon, les dessous, restez. Bon, bref. D'ores et déjà, merci de rester Mac 12, merci de rester Kabissa, merci surtout de rester fou, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de télé, il n'y a surtout pas de Mac 12. Alors. Alors, l'instant annonceur, c'est maintenant. Alors Diane, le CNASA va nous faire déménager encore une fois de plus le week-end. Oui, oui, oui. Merci beaucoup de nous accueillir tout le temps. Ah, c'est nous qui vous remercions. Merci pour votre renouvellement de fidélité. Je voulais juste vous dire que le maître vient en classe ce soir. Ah quoi? Oui, et vous allez rire jusqu'à... Ce soir, il y a un grand spectacle d'humour. D'accord. Avec l'enseignant par vocation, Mister 100%. Et... c'est un grand spectacle préparé en collaboration également avec d'autres humoristes. Et le prix d'entrée, c'est 3 000 et 5 000 francs. Un prix vraiment social. Et l'heure, c'est 20 heures. Pas plus, à 20h00, nous voulons que vous venez au CNASA pour décompresser. Tout le stress de la semaine doit rester au CNASA. Ça, c'est vrai. On va venir, oui. Ne t'inquiète pas. D'accord. En tout cas, on mérite vraiment de décompresser avec surtout ouais. Cette semaine électorale, avec les élections. Ouais. On se demande ouais. Qu'est-ce qu'elle allait se passer? Est-ce qu'on allait faire ci ou ça? Mais on viendra. Oh. Ouais. En plus, un week-end sans humour n'est pas un week-end c'est véritable. Pas un week-end. C'est pas un week-end. On sera là. Ouais. Et le prix d'entrée? C'est 3 000 et 5 000 francs CFA. Et il est là, il peut même mieux vous donner. Alors, le maître, en fait ça. Oui. On va ajouter le plus. Le plus, c'est-à-dire ticket, on va revenir sur les tickets, on va aussi parler de l'innovation, parce que c'est toujours, on dit, bon, lui, là-même, il fait toujours, c'est le même spectacle, il sait pas, en fait, combien d'années il fait spectacle, demain, ce soir-là, il y a quoi de plus qu'il n'y a jamais eu dans les autres spectacles?
Si je le disais ici, c'est que ce n'est pas une surprise. Donc, faites le déplacement. Elle est bien bonne celle-là. Est-ce que vous serez seul sur scène, vous serez accompagné? Oui, c'est un one-man show, okay. Mais il y a les frères qui ont décidé de m'accompagner. Voilà, on a Alagi Kiliashi qui est là. D'accord. Il y a Dacosta, il y a Soum le Sapeur, il y a Iro Maman, lui, il vient du Niger. Il y a El Presidente Adel Badolo. Gentlemen, parce que c'est très très important. Voilà, parce que Lynn, quand tu regardes Lynn, c'est que quand elle était bébé, c'était un joli bébé. Non, mais j'arrive, c'est pour ça. Oui, parce que lui là et moi, présidente, on est tous à Karbala. Ouais. À Karbala, quand il y a une nouvelle naissance, tu vois les mamans là qui font un comité qui arrive, elles ont toutes les mêmes paroles. Mignon bébé, joli, joli bébé. Pourtant, nous tous, on dit qu'il y a des bébés. Aristide Bassé est mignon. Sa femme a accouché. Quand tu vois l'enfant Aristide, même pas. Photocopie. Les gens l'ont trouvé en moyen dans ça. Mignon. Joli, joli garçon. Tous les bébés sont beaux. Mais ça, attends, une semaine après. Dans le même quartier. C'est la folie, mais déjà. Lui, sa femme a accouché. J'étais là. Et comme lui, il avait l'argent. Quand les gens sont venus, ils ont vu la folie. Non. Ah, il y a même des gens là-bas. Un peu plus tôt, mais voilà. Exactement. Dino est là. Voilà. D'accord. C'est bon. Alors, j'étais vraiment énervée. Moi, on me connaît un peu, je suis la go qui est un peu structurée. Et quand ça va pas, je me perds un peu. Si tu veux faire une photo avec l'une, il faut aller dans un coin où il y a beaucoup de lumière. Sinon, c'est compliqué. Parce que si tu es dans l'obscurité, tu viens après dans la photo, toi, tu disparais. Là, vous venez de gagner des points. Vous venez de boucher. On va faire le show, c'est à partir de 20h au Sénégal. Bon coup de main. Merci beaucoup. Déjà dans le puits de l'humour, on va profiter en même temps de parler du deuxième spectacle qui aura lieu aussi ce vendredi 20, ce samedi 28 là. Il s'agit du Voter pour moi, l'investiture d'Aladji Kliachi, ouais. Le président des Cristaux de Mantes. Ce samedi là, Inch'Allah, vous n'avez qu'à venir, vous avez voté pour moi parce que vous avez besoin besoin. Toi, c'est... Je suis un enseignant, c'est normal. Tu es un chèteur. Est-ce que moi, c'est moi, Anoush? Ah, ok. Bon, vous n'avez qu'à venir, payer votre ticket, c'est demain, Inch'Allah, quand on va finir pour les enseignants. Et enseignants. Voilà, on va venir pour moi, pour mon investiture. Voilà, on va m'investir pour que je vais devenir le président pour monter le développement. Voilà, comme on a vu, il y avait beaucoup de partis, il y avait la PIB, il y avait l'Anoush. Voilà, je vais faire un collaboration avec les cristaux de marche et les partis qui peuvent travailler avec moi. Inch'Allah, vous n'avez qu'à sortir. Plus d'entrée, c'est 2000 francs seulement. Sortir, c'est gratuit. Wallahi Allah. Et ça se passe où? Au Remdogo.
Inch'Allah, Remdogo, vous n'avez qu'à venir à partir de 20h20, 20 secondes. D'accord, on sera là, 20h20, 20 secondes, au Remdogo, et le prix d'entrée, c'est 2000 francs. Le spectacle voté pour moi, et la particularité de ce spectacle-là, c'est qu'il y aura l'investiture du président du congrès de développement des mythes. De Christo de Mante. Et je ne suis pas seul aussi, voilà, il y a Diamant derrière aussi, et Chad. Tu n'as pas Diamant. Derrière toi. Diamant derrière aussi, Chad Télécom. Adèle Bois de l'eau et Adèle Bas de l'eau et les jumeaux toqués et encore il y a beaucoup, en tout cas il y a même les Wissiti qui seront aussi présents. Oui, Wissiti, ça sera bien après le truc voter pour moi. Le Wissiti, ça va venir en janvier, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a pas que les événements humoristiques qui vont marquer ce week-end là. Diane, s'il te plaît. Effectivement, le Sénaza est très chargé. Okay. Ouais. Le samedi 28, on aura sur le tapis rouge de Star en Live trois grandes vedettes. Trois jeunes, c'est la nouvelle génération. Et c'est Amzi, Simon et Toxa qui vont vous donner un spectacle en live. Et le prix d'entrée, c'est 1000 francs. C'est un spectacle ouvert pour tout le monde, pour les jeunes. Donc, on poursuit le décompte. Il faut se décompresser totalement ce week-end. Fun. Donc, l'heure, c'est 20h00. On commence. Venez voir vos artistes en live. Ils sont là. Comme ça, là. Moi, je me contente. Ah bon? Toxa. Il est là juste derrière. C'est un petit moi, j'ai content parce que j'ai accroché lui au matata. Pardon, il n'a pas parlé de ça. Oui, il y a une chanson où il dit on regarde, mais on touche pas. Mm. Bon, ça, c'est une chanson, c'est ma inspiration. Okay. Ouais, parce que un jour comme ça, j'étais parti où tu t'en vas là à Morel. Maintenant, il s'est arrêté et puis la fille m'a dit viens. Il dit viens. Il dit moi, Al-Hadi de Beni. Il dit viens. Il dit mais si il est bien, est-ce qu'il est bien? Il m'a dit non, viens. Il m'a dit non, on regarde, mais on touche pas. Tu vois? Il dit je vais regarder, mais il ne touche pas. J'ai vu le temps là passer dans ma derrière, alors qu'il a fait sentir son truc. Donc il a triché ta phrase. C'est ça. Toxa, est-ce que c'est vrai? Un micro pour Toxa, s'il vous plaît. Les gars, quand on voit Aladji au Matata, on fait quoi? On regarde, mais on parle pas. On reprend. Quand on voit Aladji au Matata, on fait quoi? On regarde, mais on parle pas. On parle pas, on regarde, mais on parle pas. On ne laisse pas dire. On regarde, on parle pas, comme on l'a dit ici. Voilà. Donc, allez, sinon, Toxa, quel est le show que tu nous promets? Un show de ouf, comme d'habitude. D'accord. Et ça sera en live, donc vous allez pouvoir vivre la musique dans toute sa splendeur. Donc faites le déplacement. Et puis c'est même pas cher, c'est 1000 francs. Ça c'est vrai. Genre, Aladji même peut payer pour tout le quartier, c'est sûr. Ah oui, oui. Si il arrête d'aller à Matata. Non, c'est vrai que tu as laissé le boubou à l'intérieur. C'est tout ce que ça est dans le boubou. Ouais, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de cristaux dans le boubou. Ça c'est un là. Donc vous n'avez qu'à venir samedi là, Inch'Allah. Avant de venir dans pour moi, vous n'avez qu'à venir dans pour mon frère. Comme ça c'est aujourd'hui là. Frère. Donc comme pour lui, c'est son élément voilà. Ce soir. Voilà. Vous n'avez qu'à venir, vous n'avez qu'à sortir. On va péter avec lui. Dès qu'on finit de péter avec lui. Péter. Voilà. C'est Awa Boussim qui danse. Ou bien c'est quoi? C'est ça. C'est ça le problème. Ah, ça se comprend. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci aux enfants. Viens, on va rappeler les infos line. D'accord, c'est le 78 21 37 56. Le Sénaza, c'est le plaisir de voir et d'entendre. Exactement. On sera à la rendez-vous ce soir à partir de 20h. Voilà. Bravo mon fils. Je vais laisser le numéro. Pour laisser le numéro là, eh bien tu vas donner le numéro de Pornotel. Tu vas donner le numéro. Promoteur. C'est pas facile. Oui. Voilà, moi c'est ça Télécom. D'accord. Président du chef de file de l'opposition humoristique. Ok, oui, voilà, fixez-vous légèrement. Le numéro, c'est le 78 D'accord. 85 00 85. Merci. Franchement.
je dis Yako à tous les cadreurs aujourd'hui. Oui. Je sens que le travail n'est pas facile. Ça va aller. Ça va aller. Moi, je peux pas partir. On peut pas. Je peux pas quand même vous libérer sans entendre la magnifique voix de celui qui est juste en face de moi. Oui. Hey, tu l'as derrière. Voilà. Il ne donnera pas l'information, il ne va pas nous dire de manière orale comme ça, ah venez juste à l'événement, venez à Skyline. Non, 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 il va chanter, puis nous donne suscitant nous l'envie d'achat des tickets. C'est comme ça. Alors Simon, merci beaucoup, merci au Sénazan. Le plaisir de voir et d'entendre. Merci une fois de plus pour la visite et merci pour la confiance. Pour tous ceux qui aimeraient vivre cette ambiance-là, tout annonceur, tout prestataire, n'hésitez pas à contacter le service commercial. Vous savez quoi? Vous avez le savoir-faire, mais nous, ici, au MAC 12, nous, à Tri TV, on a les moyens de le faire savoir. Merci beaucoup, c'est donc merci beaucoup. Bouge,
permis d'installer nos invités. Alors aujourd'hui, les dessous de l'événementiel, on en parle avec MP3 qui représente la logistique, Zara, artiste musicienne, Lova Belle, Vichu qui est un MC. Ensuite, Tonton Benito qui est un grand promoteur, c'est plus quelqu'un à présenter. Emilio le chanceux, avec lui, nous parlerons. Avec lui, on va découvrir un peu comment on gère un artiste lors d'un grand événement. Nous avons aussi Peaceman qui représente le secteur des régisseurs. Ensuite, Kevin qui représente les photographes, parce qu'un événement sans des photographes, franchement, ça n'est pas. Alors, j'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Ah oui, Maestro le faisait de star. Non, là, tu as fait semblant. Elle a fait semblant. Alors, une fois de plus, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Alors, moi, je sens trop timide, on est en famille quand même. Ah oui. En plus, je suis votre petite sœur, donc ce sera. Moi, je veux que je vous. Ah oui, ça va, lui, on dit quoi, tout ça. Tonton Benito. Ça va super bien. Et j'espère que aussi les téléspectateurs aussi prennent du plaisir à suivre bien sûr cette grande émission qui fait la promotion de la musique et de la culture au Burkina Faso. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui pour échanger un peu et puis éclairer un peu plus la lanterne aussi des téléspectateurs. Ça, c'est bien. Merci. En tout cas, on a besoin d'être éclairé. Parce que votre affaire là, votre domaine là, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, vous trichez trop avec nous. Alors, Emilio, bienvenue sur le plateau du McDo, c'est chez toi. Merci. C'est toujours un plaisir d'être. De passer à la télé d'abord. J'aime télé. Ouais, ça fait plaisir à tous ceux qui nous regardent. Voilà, donc McDo, c'est la famille. 3 TV, c'est la famille. Alors, c'est de manière préemptoire, je vous demandais un peu comment se porte le secteur de l'événementiel. Tonton Benito. Au Burkina Faso, le secteur est toujours embryonnaire, mais il est en train de se développer positivement. D'accord. On peut le dire comme ça ainsi. C'est un secteur très difficile. C'est un secteur pas facile aussi. Oui. Le showbiz au Burkina Faso, l'événementiel, a beaucoup de travers. Mm-hmm. C'est vrai que pour organiser un événement, il faut prendre en compte beaucoup d'aspects et c'est pas tout à fait évident. Et surtout que dans le milieu aussi, nous avons des personnes aussi qui ne sont pas forcément professionnelles, mais qui s'adonne au milieu. Donc, du coup, ça devient un peu difficile pour qu'on puisse savoir quels sont les bons grains entre les organisateurs même d'abord. Mais toujours est-il que un événement qui s'organise de façon professionnelle est bien fait malgré l'arrêté des partenaires qui nous accompagnent. D'accord. Alors, Maestro, généralement, l'échec d'un événement, c'est dû à quoi? Il faut avoir un bon comité d'organisation d'abord parce que, comme il a dit, il y a des gens qui ne sont pas forcément professionnels dans la matière, mais qui c'est. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas les gens qu'il faut autour d'eux pour organiser l'événement. Ça, la base, c'est déjà ça. Voilà. Il y a les sponsors qui doivent nous accompagner, qui ne le font pas forcément. Et c'est tout ça ensemble qui conduisent généralement aux échecs. D'accord. Ludo. Voilà, bon, avant peut-être d'aller vraiment en profondeur de ce sujet, on va essayer de recadrer un peu les trucs dans le sens où, qui sont les personnes qui doivent former ce bloc-là pour une bonne promotion pour, je dirais, un événement. C'est-à-dire tout le staff. Le staff doit comporter qui et qui pour franchement avoir une bonne équipe en fait. Oui, pour un événement. Oui, pour un événement, quand on dit staff, il doit avoir un président du comité d'organisation d'abord, voilà, qui doit être entouré de personnes de ressources, c'est-à-dire un communicateur qui est spécialisé dans la communication, qui ne communique pas, parce qu'il y a des communications qui découragent. Tu peux vouloir communiquer, ce n'est pas forcément ton objectif de décourager. Tu peux vouloir communiquer pour appeler les gens. Dans ta façon de communiquer, c'est le contraire de ce que tu voulais dire qui ressort. Donc, il faut des personnes ressources pour la communication. Il faut des personnes ressources qui vont toucher le public que tu cherches parce que tout événement a un public. Quand tu organises un événement à la maison du peuple, c'est pas le même public que lorsque tu organises un événement à la salle des banquets de Ouagadougou. tu organises un événement à la salle des banquets de Ouagadougou, tu prends allô tourner dans la ville, je pense que c'est peine perdue. Mais quand tu organises un événement à la maison du peuple, c'est nécessaire de prendre un allô, faut aller dans les marchés, dans les yards pour dire aux gens qu'il y a un événement. C'est un événement de masse. Mais quand on organise un événement à la salle des banquets,
ciblées, c'est des personnes ciblées. Et voilà, donc cette communication est différente de l'autre communication. Donc il faut tenir compte de tous ces contours-là lorsqu'on veut organiser un événement pour la réussite des événements au Burkina. D'accord. Oui, je peux peut-être ajouter quelque chose. D'accord. Oui, effectivement, comme il a si bien dit, pour organiser, il faut s'entourer de personnes ressources qualifiées. Voilà, un bon communicateur, un chargé d'organisation, un régisseur, voilà, ce sont des personnes clés qu'il faut dans une organisation. Maintenant, il y a des collaborateurs, des assistants qui peuvent être là aussi pour accompagner l'équipe directeur donc, d'un événement. Mmh. Et comme il a si bien dit, chaque événement a un public cible. Oui. Et en fonction, bien sûr, de ton public cible, tu adaptes, bien sûr, une politique de communication, une stratégie qui peut mobiliser beaucoup plus ta cible. Voilà un peu comment ça se passe au niveau donc, des organisations. C'est ce que je veux ajouter. Alors, pour rester toujours dans le domaine du comité d'organisation, parce qu'on a connu quand même quelques promoteurs qui organisent une première édition et la deuxième édition, c'est avec un autre comité. C'est-à-dire qu'ils sont changeants au fur et à mesure qu'on change, en fait, qu'on avance dans les éditions. Généralement, le comité se plaint comme quoi, bon, après, il n'a pas fait un résumé, bon, il n'a pas réuni les gens, il n'a rien dit. Bon, peut-être les patrons ont donné l'argent et bon, il a empoché et puis l'argent a disparu. Alors, comment vous faites en tant que promoteur pour éviter justement ces scènes-là ou encore pour bien gérer et cadrer le comité? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est eux aussi l'événement. Bien sûr, c'est eux l'événement, bien sûr, ça doit se reposer sur eux. Et comme je l'ai dit, qui veut être professionnel doit avoir les moyens de sa politique. Et la plupart du temps, les promoteurs n'ont pas assez de moyens. Ils n'ont pas les moyens conséquents, ce qui fait qu'ils tâtonnent pour organiser. Sinon, une bonne organisation doit définir déjà les clauses avec les différents partenaires, c'est-à-dire les différents membres du comité d'organisation. Mmh. Chacun sait, je suis organisateur, quel est mon rôle et qu'est-ce que je gagne à la fin de l'événement. Là, il n'y a aucune discussion à la fin. C'est comme ça que moi, je travaille. Mais maintenant, il y a des gens qui viennent à l'événement parce qu'ils veulent gros, et pourtant, il n'y a pas gros en réalité. Donc, du coup, après l'événement, ils sont découragés. Donc, l'édition prochaine, ben, ils ne seront pas là. D'accord. Alors, plusieurs de vos compatriotes, de vos confrères du domaine, alors disent que il n'y a pas de mécène, il n'y a pas de sponsor pour accompagner l'événement, même les artistes. Vous qui excellez vraiment très bien dans ce domaine-là, quelles sont, on va dire, les démarches administratives pour qu'un mécène ou un sponsor nous accompagne? Oui, il faut être d'abord sérieux. D'accord. Voilà, il faut inspirer confiance pour que le mécène ou le sponsor puisse vous accompagner. Et il faut avoir un bon projet. Et le projet doit être un projet porteur. Il faut montrer, bien sûr, au sponsor, par exemple, qu'est-ce qu'il gagne en venant dans votre activité, par exemple. Parce que lui aussi, c'est du business. Il vient pour gagner quelque chose, une visibilité, certainement. Et ce que je voulais faire remarquer, c'est que lorsque beaucoup de promoteurs partent vers des sponsors, on croit qu'ils sont des mendiants. Ils viennent pour quémander. Et non, je précise que les promoteurs ne sont pas des mendiants. Ce sont des personnes qui ont une activité bien précise et ils viennent vous proposer de la visibilité, de la publicité de votre produit X ou Y. C'est comme la télévision. Mmh. Voilà, vous avez des annonceurs qui viennent, ils payent pour qu'on puisse diffuser leur communication et autres. C'est la même chose aussi chez les promoteurs d'événements. Nous partons vers les sponsors avec un projet et dans le projet, il est bien clairement défini qu'est-ce que le partenaire il gagne en venant, bien sûr, à notre activité. Quelle est la communication et l'impact de notre communication que nous allons faire pour lui. Bien sûr, il faut cadrer les choses. Il faut aller en fonction aussi. Il ne faut pas chercher des partenaires pour chercher. Mmh. Voilà, si tu as un événement comme Bambino Show, qui est un événement qui concerne les enfants, je ne vais pas aller voir Nescafé, bon, sans faire la publicité, pour lui devenir sponsoriser l'activité. Oui. Donc, c'est un mauvais ciblage en ce moment. D'accord. Donc, il faut que les promoteurs sachent où ils doivent aller et est-ce que ça peut intéresser le partenaire en question. Ok. Alors, je vais m'intéresser aux artistes et aussi aux animateurs. Ça va très bien. Alors, parfois, pendant l'événement, on dit « Il est là ! Il est là !» Et puis, Milo ne monte pas. C'est pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous entendez « Emilio » et puis « il monte pas », c'est qu'ils n'ont pas donné la vie. Je veux. Normalement, en fait, pour un artiste, quand tu viens discuter avec le staff de l'artiste, déjà, il y a un contrat. Oui. Et sur le contrat, il est écrit à la signature. C'est-à-dire, le jour où vous entendez, tu dois verser 50%. Mm-hmm. Bon, ça, c'est moi, mon contrat. Je sais d'accord. Pas. Mais je pense que. La majorité, c'est comme ça. Tu payes 50% à la discussion quand vous attendez. Et avant. Avant la prestation, avant que l'artiste ne monte sur le podium, il faut verser le reste des 50%. Mm-hmm. Mais souvent, il y a des promoteurs, c'est juste deux minutes avant ta prestation, ils vont même te dire, écoute, tu sais, Daouda Mokili devait nous donner de la...
on va donner, le parrain a fui, est-ce que tu peux, est-ce que, bon, vraiment, on a vraiment aidé, j'ai beaucoup de crédit, genre ce côté, et quand le festival finit, tu l'appelles, mais décroche plus, ou bien peut-être que, tu vois, donc c'est pas gentil. C'est pas... Alors, attends, excuse-moi. Il faut faire confiance aux partenaires sérieux. J'ai parlé de voilà. Ici déjà. Voilà. Okay. Quand on est professionnel, je pense qu'on doit avoir un bureau, voilà, on ne peut pas fuir. Moi, je pense déjà que quand on organise un événement, moi aussi, j'organise deux fois. Mm-hmm. Voilà, j'ai un espace dont j'organise. Quand on organise un événement et qu'on a besoin d'un artiste, il faut déjà avoir l'argent de l'artiste. Moi, je pense côté artiste, il faut déjà avoir le budget. Mm-hmm. Il faut déjà prévoir ça. Il ne faut pas commencer une activité où tu comptes sur des gens. Voilà, même si l'événement a tapé protocole, le truc du dit, il faut respecter les clauses pour que demain tu puisses être crédible. Voilà, donc quand tu organises, il faut pas penser seulement à avoir, il faut penser à perdre. Mmh. Voilà, à perdre aussi. Donc j'ai vraiment beaucoup de crédit. Donc si les promoteurs me voient, je suis toujours là. Même s'ils ne réclament pas, même donner parce que vous gâchez pour demain. Alors, est-ce que tu partages le même avis de Emilo? Moi, je suis d'accord avec le coro Emilo parce que c'est ça qui est la vérité. Ah, sinon, on nous m'a tapé. Ici, les cachets, on te donne, on te donne la moitié de l'argent. Arrivé, on veut que tu joues avant de prendre. Tu finis de jouer et le reste, c'est fini. Tu ne peux plus avoir. Donc, tant que je n'ai pas le reste, tu m'appelles Lovabel, je ne monte pas. Donc, je suis d'accord avec le coro. Est-ce que la conscience professionnelle, de la conscience professionnelle, et puis le respect des gens. Est-ce que tu peux pas accepter de jouer et prendre ton argent? Voilà, je vais intervenir, c'est juste moi. Hein. Public, quand on nous annonce dans un événement et vous ne voyez pas monter, c'est pas la grosse tête. Voilà, souvent, on est guidé par le staff, par le manager. C'est le manager qui te dit, écoute, monte pas. C'est ce que j'ai dit, j'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai fait tellement ça que il y a mon argent un peu partout. Il n'y a pas de souci, mais tu vois, souvent, quand tu montes, quand on joue, moi, quand je joue sur une scène, quand je monte, tout le reste, c'est-à-dire la sécurité, les danseurs, moi, ils n'ont rien à foutre de mon contrat. Hein. Ouais. Moi, je les paye. Du fait qu'ils ont fait leur travail, moi, je les paye. D'abord même, je les paye de ma propre poche juste après le spectacle. Et le reste, j'ai recaché un instant d'une année, deux ans, trois ans. Donc, ça veut dire que public. Maintenant, on devient professionnel au fur et à mesure. Tu vois, tu vas pas continuer à faire plaisir. Deux fois, on nous met en tant que parrain artistique pour ne pas payer nos cachets. Mmh. Voilà, oui. Oui, ça, quand on arrive, on dit parrain. Et là, il a assis. Moi, je vois les choses dans le sens contraire. Mmh. Un parrain artistique, je crois que c'est lui qu'on doit payer. Ah bon? Oui. D'accord. Parce que quand on est parrain artiste, c'est vrai, on peut peut-être pour l'image. Oui. Moi, quand on vient me voir, je dis, mais c'est vrai, j'ai pas les moyens en tant que parrain, mais bon, on dit artistique, c'est juste à présent. Et quand tu arrives devant la foule, on te dit, faut jouer un titre, mais faut dire un mot. Comment est-ce qu'un artiste peut dire un mot au public? Le public n'a pas besoin de son mot, nous sommes pas les animateurs. On nous donne le micro, on dit, dis un mot. Tu es là, tu dis bonjour, je suis content d'être le parrain et tout. Vraiment, merci. Le plus, il a dit non, aïe, gâteau, donc, face à ton public, tu ne peux pas refuser. Donc, maintenant, quand on m'appelle pour un parrain artistique, il dit c'est mieux, viens, on va diminuer le cachet, et je suis parrain artistique, et puis je joue. Parce que je sais que tu as besoin de ma prestation. Donc, c'est vrai que tu n'as pas l'argent, mais entendons-nous sur un petit truc au moins le carburant, les danseurs et autres. Bon. D'accord. Alors Zara, on revient à toi. Est-ce que la conscience professionnelle et puis le respect de tes fans, tu ne dois pas jouer parfois, même quand le cachet n'y est pas? Même quand le cachet n'y est pas, il faut jouer pour le respect de tes fans parce que tu as des gens en face de toi. Moi, je l'ai toujours fait et je continue de le faire. Et je suis du même avis que mon frère Emilo, parce que souvent on t'invite, tu arrives, après on te dit à 5 minutes, 2 minutes, qu'ah vraiment, lui, le parrain, il n'est pas là, il a fui, il allait où? Et puis voilà, bon, tu montes et puis tu t'en vas. C'est toujours la même chose. Travaille en production, en autoproduction. Autoproduction. Donc ça, voilà pourquoi tu peux te permettre certaines choses. D'accord. Alors, Vecchio. Voilà. Alors, Vecchio, le moment de cachet de l'animateur, là, comment il est fixé? Le cachet de l'animateur est fixé en fonction de sa notoriété, du boulot qu'il a bas et sur le terrain. Mm-hmm. Et également, c'est aussi comme un artiste.
plus vous avez une notoriété, votre cachet également, il est très important. Mm-hmm. Alors donc, je ne peux même pas continuer sans faire un clin d'œil à tous ces présentateurs de cérémonies au Burkina Faso. Des talentueux, il y en a au Burkina Faso, c'est tout comme nos artistes. Donc le cachet, il est fixé en fonction de votre notoriété. Et puis après aussi, tout n'est pas aussi argent, parce qu'il y a... Il y a aussi votre responsabilité sociale, comme toute entreprise d'ailleurs. Et donc, quand on vous appelle, mon cher ami Maestro, il est là. J'ai des amis, quand ils m'appellent, je demande pas cachet. Parce que plus l'événement grandit, plus moi également je grandis. Parce que on me voit une nuit des stars, et bien c'est moi seul qui sais si j'ai pris un cachet ou j'ai pas pris. Mais il y a une image qui va très loin. Et donc, en la matière, je crois, chacun également a sa démarche. Mm-hmm. Moi, ma démarche, j'ai besoin d'une visibilité. Donc, je ne fais pas forcément une fixation sur le cachet tout le temps. Mm-hmm. Mais on en a besoin pour vivre, bien entendu, parce que le promoteur, il sera très content de vous voir très bien habillé à une cérémonie, quoi. Et donc, il faut argent. D'accord. Mais est-ce qu'il arrive parfois aussi pour, on va dire, pour l'animateur de ne pas monter sur scène parce qu'il n'a pas reçu son cachet? Pour ma part, c'est pas encore arrivé. Mm. Peut-être que ça va arriver, mais généralement, peut-être que ça va arriver. Pour ma part, je le dis. Quand je vois un événement, parce que comment je vois un événement, je fais la plupart du temps également une démarche. J'approche le promoteur pour voir comment est-ce que je peux participer à son spectacle. Mm-hmm. C'est pas de la mendicité, c'est une démarche. Et on discute. Et comme je vous ai dit, il y a des amis, quand ils me disent, Vétio, j'ai besoin de toi pour mon spectacle, c'est sans réfléchir, je trouve l'argent ailleurs et je veux m'habiller, je viens poser et c'est ce qu'ils me donnent après. Moi, la fixation sur le compte et sur l'argent, c'est pas trop pour moi le fort pour l'instant. Ouais. Peut-être que j'ai pas une certaine notoriété, ça viendra. D'accord. Ça viendra. Alors, voilà. Kevin, voilà. Ça va? C'est vrai, Kevin, le photographe? Oui, ça va. On sait tous que sans couverture média, sans photographe, il n'y a pas d'événement sublime. Hein? Mais ouais. Il arrive parfois qu'on voit des photographes après qui vendent des images ailleurs de l'événement ou bien qui vont avec des coups de poing, tout ça. Oui, c'est ça. Parce que souvent aussi, le promoteur, il a invité le photographe pour couvrir l'événement et après, il demande les photos. C'est difficile pour lui d'avoir les photos. Est-ce parce qu'il n'a pas payé ou bien c'est comment? Ou bien souvent aussi, c'est parce que le photographe et il n'a pas fini de traiter les photos. C'est quoi le problème? Bon, vraiment, ça dépend en fait. Mm. Voilà, ça dépend. Parce que lorsque on vient signer le contrat, je dis au promoteur, si je commence, si je finis la prise de photos, bon, tu auras les photos demain. Oui. Voilà. Demain, si là-bas les photos, c'est que peut-être il y a eu un problème. Et je l'appelle aussi pour lui dire, il y a tel problème, mais tu auras les photos demain. Et après, demain, c'est tout. Bon, il y a aussi le cachet. D'accord. Voilà, il y a aussi le cachet. Parce que... voilà, parce que l'appareil, il a coûté cher. L'appareil, franchement, il a coûté cher. C'est important de le rappeler. Voilà, ouais. Il a coûté cher. Et lorsque une personne vient te voir pour dire, pardon, j'ai besoin que tu couvres mon événement, etc. Ça arrive qu'on cause, on discute du prix. Et dit, bon, pour moi, 40% avant de commencer. Et lorsque j'ai fini, il finit l'événement, tu me donnes le reste. Avant que tu livres les photos. Voilà, avant que je ne livre les photos. D'accord. Mais le gars va te dire, bon, ok, j'ai compris, il va te verser l'avance. Mais le reste, il va dire, bon, envoie les photos, comme je suis un peu occupé là. Le filet était un orange money rapidement. Bon, toi, tu as confiance. Tu dis, c'est un vieux père, il ne peut pas me faire ça, il est connu. Bon, tu envoies les photos et après. C'est le championnat pour retirer les jetons. Hein. Petit, passe après. Laurent devient complice. Là, c'est mort. MP3. Oui, exactement. Alors, on sait aussi que sans scène, il n'y a pas événement. Mais lorsqu'il pleut,
vraiment on a placé le matin tout tout et il pleut ou bien l'artiste a fait ses caprices. Est-ce que vous arrivez à rentabiliser? Est-ce qu'on vous donne quand même votre argent? Oh, souvent c'est un peu difficile hein, parce que ça retombe sur nous. C'est comme si c'est nous qui a créé le problème. Donc vraiment c'est un métier un peu difficile. Ouais. Ah ouais. Donc ah, s'il pleut. On a à peu près les mêmes problèmes que les artistes. Que les artistes. Ah, oui. Donc s'il y a pas, si l'artiste n'est pas venu prester, vous n'avez pas votre argent. Non, vous avez venu, vous avez exposé gratuitement. Oui, c'est simple à dire. Ils vont dire qu'il y a tombe, tu vois. Donc il y a eu la pluie, donc voilà, on va essayer non, de mais voir. MP3, tu prends pas ton argent avant de mettre ta logistique sur place? Bon, souvent c'est difficile hein, parce que bon, souvent on nous dit que y a le sponsor qui n'a pas encore réagi et donc il faut attendre 2 jours, 3 jours. Bon voilà, c'est des problèmes. C'est du problème. Oui. D'accord. Alors Pissman, toi qui es un grand régisseur. Alors moi je veux savoir d'abord c'est quoi le rôle du régisseur dans l'événementiel. Le rôle du régisseur dans l'événementiel, c'est, comment on appelle ça, organiser surtout le côté prestation. D'accord. Ça veut dire les artistes. Mm-hmm. Voilà, c'est ce que nous faisons. Voilà, de, comment on appelle ça, de la programmation jusqu'à la prestation. Voilà, de l'artiste. Ok. Voilà. Merci. Ils sont de bons termes avec. Exactement. Merci pour la brèche. La technique et la scène. Jean venait. Mm-hmm. Tu arrives dans un spectacle qui est prévu à 20h. Ah. Et l'événement commence à minuit. Alors, on t'a dit qu'il faut venir à 20h. C'est de la faute à qui? Est-ce que c'est la star qui fait ses caprices ou bien c'est juste une stratégie? Et moi, je réponds. En fait, ça dépend. si c'est des... ça dépend du lieu en fait. Si c'est dans un bar, c'est le bar en fait qui veut vendre, qui veut se faire de l'argent d'abord. Oui, avant, parce que si l'artiste, on dit 20h. Si l'artiste monte à 20h, mais les clients vont partir à 21h parce qu'ils sont venus pour l'artiste. Mm-hmm. Voilà. Donc je me dis aussi, si c'est un événement à ciel ouvert où on vend de la boisson, c'est pareil. Il faut que les gens y vendent d'abord, il faut que l'argent rentre avant que l'artiste monte. Mmh. Parce que mine de rien, c'est l'artiste qui attire. La clientèle, clairement. La clientèle. Okay, ouais. Si le gars n'a pas encore fait rentrer de l'argent, il fait jouer l'artiste, bon, il dit 20h. Il fait jouer l'artiste à 20h. Mais à 21h, le coin sera vide. Donc je pense que les gens y profitent déjà d'abord. Avant, au moins si c'est un spectacle, peut-être au Sénazar, un truc à la maison du peuple, on dit 20h. Mais si c'est, tant qu'il n'y a pas de. Si c'est rempli, si le public est là, on commence. S'il n'y a pas de public, on a tendance à attendre 1 heure de temps après. Non, les gens vont venir. Bon, arrivé à une certaine heure, on voit que bon. Les gens ne sont plus là, voilà, on commence. On annule, soit on. Alors, moi, ma question. Excuse-moi, le régisseur, alors Pissman, tu es d'accord avec ce que Émile Olivier dit? Bon, oui, je suis d'accord avec lui, puisque c'est comme il venait de le dire, si c'est dans les bars, c'est un peu compliqué de commencer, et comment on appelle ça, le show un peu plus tôt, parce que là-bas, c'est la rentabilité d'abord, il faut d'abord emmener les gens à consommer, et à attendre, le DJ va crier, ah, que non, le gars, il est là, alors que non, là, on va commencer il n'a même pas encore démarré de chez lui, voilà, donc il faut faire ça jusqu'à 1h du matin, avant que, voilà. D'accord, alors voilà qui est bien noté, c'est bon, là, non, je vais m'intéresser maintenant, je vais revenir retour au promoteur. La surenchère des tickets, le jour J, d'où vient cette stratégie? Parce que franchement, vous n'êtes pas gentil avec nous autres qui n'avons pas assez d'argent. On nous dit le ticket fait 10 000 francs avant le concert, le jour J, ça fait 50 000 francs. C'est quoi? Tout dépend de l'événement, de la dimension de l'événement. D'accord. Voilà. Quand vous venez dans un événement à la Maison du Peuple, par exemple, s'il y a un concert et qu'on sent qu'il y a de l'affluence, puisque les gens qui font de la surenchère, ce n'est pas les promoteurs qui font de la surenchère. D'accord. Ce sont des gens qui sont à côté et qui voient qu'ils peuvent faire un business à côté. Et comme les gens ne veulent pas souvent faire le rang, voilà, ils veulent passer par des raccourcis pour payer les tickets. Donc ces personnes-là payent les tickets au prix normal et décident maintenant d'ajouter quelque chose dessus pour avoir aussi leur argent. Surtout qu'il y a des gens qui ne veulent pas la discipline. Voilà, ils trouvent que le rang est long, donc si lui doit s'arrêter, c'est pas la peine. Donc lui, il veut un raccourci. Et raison pour laquelle il y a la surenchère. Et ça aussi, c'est la faute aussi aux spectateurs. Voilà, vous savez bien que le prix est affiché. Donc si vous venez en retard, faites le rang. Si vous voulez tous les tickets, prenez vos dispositions et payez les tickets en
avance, pourquoi pas. Ok, maintenant, là, on va piquer un peu les choses. Okay. Je sens que les deux promoteurs, là, vont me détester avant la fin. Non, pas du tout. Non, je vais la poser quand même. Mais par contre, ça va plaire aux artistes, hein, cette question-là, je vous l'assure. Ok. Alors, vos plaintes, vos artistes se plaignent d'un truc, et c'est sur la table depuis plusieurs années maintenant. Oui. On dit que vous, quand il s'agit d'un artiste qui vient d'ailleurs, là, vous mettez le paquet. Vraiment, vous vous couchez même. Maintenant, quand c'est Nilo qui vient presser, mais c'est Lova, mais c'est Zara qui doit être en concert. Bon, c'est de l'à peu près, quoi. C'est pas le même cachet. Oui. C'est, tu vois. Et puis, vous dites quoi pour votre défense? Oui, c'est tout à fait normal. Hein. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'un artiste qui quitte ailleurs, qu'on puisse le payer un peu plus cher. Parce qu'il effectue un déplacement. C'est la même chose aussi pour nos artistes. Puisque si nos artistes doivent aller aussi ailleurs, mais on va pas les payer au même pied d'égalité que ceux qui sont sur place. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui se déplace, ben, c'est normal qu'on le paye un peu plus que l'autre. Et non seulement il y a sa notoriété aussi qui est là, mais si je prends un artiste de la même trame que Emilio à l'extérieur, c'est sûr que les cachets vont être à peu près les mêmes choses. La différence sera seulement peut-être le fait qu'il se déplace, c'est tout. Sinon, ça va être la même chose. Voilà. Si vous voyez qu'on perd des artistes un peu moins ici, parce qu'ils n'ont pas le même gabarit. Et le promoteur, il veut se faire des sous, il compte peut-être sur l'artiste qu'il invite à l'extérieur. C'est lui qui est bien sûr la star du jour. Les autres sont peut-être en guest star pour venir accompagner. Donc c'est normal que lui soit bien mieux payé. Même ici sur le plan national, si je prends Emilio en concert, c'est Emilio qui est en concert. Il sera mieux payé que les autres qui vont venir accompagner. Ça c'est tout à fait normal. Parce que c'est sur Emilio d'abord que je compte et c'est lui que je veux mettre en lumière. C'est lui qui est en zoom ce jour. Donc lui je le paye normalement, on discute. Et les artistes qu'on invite et qu'on paye là, ils ne sont pas venus commander non plus aussi. Même s'il y a certains aussi qui viennent négocier pour prester. Ils ne sont pas dans notre budget. D'accord. En réalité, ils ne sont pas dans notre budget. Donc c'est nous aussi, on essaie de voir comment on peut les aider aussi. Et c'est pourquoi on donne un petit cachet de la visibilité à ces artistes. Je vais ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Et organiser un spectacle, c'est d'abord un business. C'est-à-dire, l'organisateur cherche de l'argent. Et lui, il veut l'artiste qui va lui donner beaucoup plus d'argent. Donc s'il juge que c'est Emilio qui va lui donner plus de l'argent, il va se mettre en genoux devant Emilio pour lui dire voilà ce que j'ai, c'est toi que je veux dans mon événement. Mais s'il juge que celui qu'il veut doit venir d'ailleurs, c'est normal et c'est naturel qu'il se plie pour avoir cet artiste. C'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Et généralement, c'est pas parce que Emilio est ici. Hein. Et quand on organise un événement, quand on dit à Emilio, généralement, ce que tu lui dis là, entre nous ici là, c'est, on va parler entre nous ici là. Quand tu appelles Emilio là, il dit non, faut appeler Oulari. Quand tu appelles Oulari, ils vont se voir. Mais c'est Emilio même qui a dit voilà, Oulari, faut accepter ce qu'il a dit là. Mais là, c'est professionnel aussi. Voilà, c'est très professionnel. C'est pas parce qu'il est ici, mais il est très professionnel. Mais il y a des artistes qui vont dire non, c'est pas la peine d'appeler mon on va juger son manager. Tu vois, le jour où son manager vient, c'est comment? C'est fou. Lui, il est de l'autre côté. C'est-à-dire, tout est mélangé même dans le staff. Donc, d'accord. Les artistes aussi doivent travailler à se professionnaliser pour faciliter le travail. Et puis, je voulais ajouter, quand on a un projet d'organisation d'un événement, on a déjà notre programme. Okay. Et lorsque le programme, vous le voyez déjà, on commence à faire la communication, ça veut dire que tout est calé en réalité. Voilà. Mais c'est à ce moment que les artistes vont commencer à t'appeler. Ah, mais j'ai vu ton événement, là, il faut me mettre dedans. Bon. Il dit que non, je n'ai pas besoin d'argent. Non, moi, je veux venir jouer, c'est pour soutenir ton mouvement. Quand il finit, il est le premier à te dire. Vous êtes des professionnels du domaine. C'est bien. Il y en a qui ne font pas ça. Ça, c'est bien noté. Alors, avant de faire le mot de fin rapide, Emilio. Déjà? Ah, c'est vrai, c'est déjà fait. C'est comme ça. Alors, Emilio, le déconfinement est sorti. Oui, c'est sorti le 13. Ça fait déjà, je pense, 2 semaines. Et ça tourne un peu partout dans le monde. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à la télé, 3 TV, parce qu'à chaque fois, ça passe seulement. Non, je ne sais pas ce que vous avez mangé cette fois-ci, mais vous avez bien mangé. Merci beaucoup. Non, le travail est très bien fait. Chez nous, quand c'est bon, on avec lequel tu as fait la collaboration, il est burkinabé? Non, il est ivoirien. Kérosène Abarango, c'est l'un des plus grands animateurs de Côte d'Ivoire, wow, qui a chanté pour pas mal de personnes. Il n'est pas connu physiquement, mais sa voix est portée. Merci. Alors, Zara et Lova, votre actu aujourd'hui. Rapidement, on va aller plus rapidement. Voilà, moi j'ai un nouveau album qui vient de sortir le 12 novembre passé à côté. D'accord. Voilà, l'album se nomme Vouloir, c'est pouvoir. Wow. Ok. Zara. Moi j'ai un single qui est sorti il y a 2 semaines. Je rends hommage à tous nos forces de défense et de sécurité. D'accord. Alors, Tonton Bambino. Benito. Tonton Bambino, c'est la bonne chose. Les enfants, oui, des enfants. Voilà. Comme ça.
On est tous même chose ici. Oui, effectivement, Bambino Show se porte très bien. Mm. C'est vrai que c'est durant les vacances que nous faisons la grande édition. Mm. Mais pour le moment, nous sommes en train d'organiser une édition spéciale, comme chaque année d'ailleurs, mm-hmm. à l'occasion de la fête nationale du Burkina Faso. Okay. Donc le 11 décembre prochain, on va inviter tous les enfants à se retrouver encore dans leur temple, à la maison du peuple, pour ensemble faire la fête, célébrer aussi en cœur aussi notre fête nationale. Parce que souvent, on oublie les enfants, on dit c'est la fête nationale, ils ne partent pas à l'école, mais qu'est-ce qu'ils font? Voilà, donc c'est une occasion pour eux aussi de s'amuser un peu, de se récréer et d'avoir encore un peu plus de tout. Maestro? Oui, moi, je viens de finir la 5e édition de la Nuit des Stars. Mm-hmm. Habituellement, on le fait à la maison du peuple et juste après, on est venu au Sénaza. Cette fois-ci, on a décidé d'envoyer à un autre level. On est allé à Bravia, c'est pas pour faire de la publicité de l'hôtel, ça a eu lieu à Bravia Hôtel. En tout cas, on n'avait pas pensé à tout ce monde-là et je profite de l'occasion pour m'excuser auprès de tous ceux qui sont venus qui n'ont pas eu accès et qui sont répartis et c'était vraiment dommage. Mais l'année prochaine, on est en train d'étudier avoir une salle encore plus grande et encore plus VIP pour permettre aux mélomanes, aux fans, des artistes, musiciens de pouvoir être à l'aise. Et puis, ce que j'aimerais ajouter, c'est il faut comprendre que c'est les artistes qui font un événement parce qu'ils sont les éléments clés d'un événement. Là, je crois qu'on va... Excusez, je vais juste... On va aller plus vite. Voilà. C'est fini, malheureusement. Malheureusement, c'est fini. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Okay. Merci bien. Voilà. Allez, c'est qui se passe en Mac 12? Non, c'est pas en Mac 12. Mais quand c'est bon, en bis. À demain, Fanny. Sam, là.